Bonjour, nous allons continuer l'introduction du cours théorie de la communication. Donc on a vu la dernière fois cet organigramme et on n'a pas expliqué les détails comment obtenir donc les secondes SGE qui sont des secondes gravement entachées d'erreur et qui contiennent plus de 64 erreurs. Donc comment se fait-il qu'on prenne donc ce seuil de 64 erreurs. Donc on sait qu'on doit compter le nombre de secondes qui contiennent plus de 64 erreurs. Ces secondes donc seront appelées les SGE. On sait que dans une liaison téléphonique, le débit est donné par 2 fois F max fois le nombre de bits par échantillon. Où F max, c'est la fréquence maximale du spectre du signal de parole. En général, il est limité à 4 kHz. Et FE, c'est la fréquence d'échantillonnage du signal qui est égale à 2 fois F max. Donc, c'est 2 fois 4 kHz, ça nous fait donc 8 kHz qui correspond donc à 8000 échantillons par seconde. Chaque échantillon donc est codé par un code à 8 bits, 8 bits par échantillon. Donc, le débit, ce sera donc 8000 échantillons par seconde multiplié par 8 bits. Ce qui nous donne donc un débit de 64 000 échantillons par seconde. Si on sait que le taux d'erreur, ou bien ce qu'on appelle le taux d'erreur à 10-3, qui est le taux d'erreur, ou bien le taux de coupure d'une liaison numérique, ça veut dire qu'une liaison numérique, quand elle atteint donc un taux d'erreur de 10-3, donc elle est coupée. Donc ce 10-3, ça, il correspond à une erreur sur 1000. Donc une erreur sur 1000, si j'ai 64 000 échantillons, donc je vais avoir 64 erreurs. Donc 64 divisé par 64 000 échantillons par seconde. Si je prends 1 sur 1000, donc ça me donnera 64 erreurs. D'où la définition des secondes de disponibilité. On compte le nombre d'intervalles, 10 secondes, qui contiennent plus de 60 erreurs. Et donc on les appelle les erreurs qui sont gravement entachées d'erreurs. On revient à la transmission d'un signal en bande de base. Donc la transmission numérique sera sous forme d'un signal bipolaire. On a le schéma qui donne la source du message, donc qui est l'appareil qui permet d'enregistrer la parole. On doit opérer un codage de source. On a expliqué que le codage de source devrait permettre à réduire la redondance et réduire le nombre de bits dans le codage. Puis, on suit cette opération par opération de codage de canal. Le codage de canal, c'est lui qui permet d'adapter le signal issu du convertisseur analogique numérique pour qu'il soit adapté donc au canal, donc en termes de bande passante et en termes de fréquence de Nyquist. On opère par la suite un filtrage en bande de base pour limiter la bande du signal. Dans ce point-là, donc, on va obtenir un signal binaire RZ qui est unipolaire. Donc RZ, ça veut dire retour à zéro. On a une séquence donnée, aléatoire. Cette séquence aléatoire, c'est les symboles S0 jusqu'à S0 ou bien S1. Et donc, en fonction de cette combinaison d'éléments binaires, on aura le 0, 1, 1, puis 0, puis 1, et ainsi de suite. Ça peut continuer. Donc, la durée ici, entre la durée d'un bit, c'est TB. Et elle est égale à 1 sur R, R étant le débit de la liaison. Au niveau du codage de canal, donc vous voyez que le signal était unipolaire, RZ, donc normalement c'est le NRZ, et on le remet sous cette forme-là, qui est une forme bipolaire, et donc on aura des plus A et moins A. Donc les bits 0 peuvent être codés en 0, et les bits 1 sont codés en moins 1. Donc
ici, les 0 sont codés en moins A et les 1 sont codés en plus A. Puis, au niveau du canal de transmission, donc ici, c'est le canal de transmission qui est donné sous forme d'un filtre qui a la réponse fréquentielle du canal. Et ici, on a un additionneur qui permet donc d'additionner le bruit du canal qu'on appelle le AWGN, donc Additive White Gaussian Noise. Donc c'est un bruit gaussien additif et bien sûr analogique qu'on appelle N de T. Le signal Y de T sera S1 de T plus N de T. I, bien sûr, ici, prend des valeurs 0 et 1 et toujours dans l'intervalle entre 0 et T. Si ici, tel qu'il est décrit, c'est un bruit blanc gaussien, alors, quelle que soit la nature du signal S de T, Y de T est aussi un bruit gaussien. À la réception, le récepteur va déterminer si un 0 ou un 1 a été envoyé en observant le Y de T. Un récepteur optimal, c'est un récepteur qui permet de minimiser la probabilité d'erreur. Si on s'intéresse qu'aux transmissions en bande de basse sont porteuses, donc une transmission la plus basique, on a une suite d'éléments binaires qui est transmise à travers un canal idéal. On va voir la définition du canal idéal. Donc, un canal idéal, c'est sa fonction de transfert, elle est égale à 1. Et bien sûr, son argument, il est proportionnel à la fréquence, KF. Le débit étant 1 sur T, où T est la durée minimale d'un état, donc un TD. Aux états Z0 est associé un signal A0 avec une tension moins A, tel qu'on a vu tout à l'heure. Aux états 1, donc les éléments binaires 1, on leur associe un signal S1 de T avec une tension plus A. Le signal émis, donc on va subdiviser en intervalle T et on aura, ici c'est un 0, ici c'est un 1, 1, 0, puis 1, 0, 0, 0, 1 et ainsi de suite. Le signal avant prise de décision, donc ça c'est le signal qui arrive au niveau du récepteur. Vous voyez que c'est un signal auquel on a ajouté des bruits, vous voyez les variations très rapides du signal sous cette forme-là. En vert, on va positionner les temps d'horloge de réception parce que ces temps d'horloge sont importants pour la décision si c'est un 1 ou c'est un 0. Et on le voit bien qu'ils sont centrés au niveau des intervalles T. Le signal récupéré sera sous cette forme-là. Donc ici, la tension elle est négative, donc c'est un 0. Ici, la tension est positive, c'est un 1. Ici, vous voyez qu'il y a des dépassements, donc ce n'est plus, pourtant c'est un 1 ici, et ici, vous voyez des fois, à un certain moment, le signal est négatif, donc ça va nous donner un 0. Et vous voyez ici, c'est un 1 qui a été transmis à la réception, on obtient un 0. La même chose ici, donc le signal sera négatif, donc c'est toujours un 0. Ici, le signal est positif, c'est un 1. Ici, le signal est négatif, donc c'est un 0. C'est un 0. La même chose ici, c'est un 0. Ici aussi, le signal est positif, donc c'est un 1. Ici, le signal, donc vous voyez que ici, peut-être il est pris à l'instant où il est négatif. Donc, la conclusion, c'est que le signal reçu sera un 0, alors que le signal transmis correspondant était un 1. Donc, on a deux erreurs. Une erreur qui se situe ici. Et une erreur qui se situe ici. Donc, vous voyez les deux erreurs où elles sont donc été commises. Effet du signal ou bien effet du signal bruit sur le signal reçu. Donc le signal émis est un signal qui apparaît en rouge ici. Le signal tel qu'il est modifié par le canal de transmission, donc tout ce qui est problème de filtrage d'écho, d'influence du support de transmission, on va avoir quelque chose qui est à peu près de cette forme-là. Donc si on prend le signal tout seul, hein, le signal sous l'effet du canal de transmission.
Maintenant, si on ajoute le bruit, vous voyez que ça a la forme à peu près de ce signal, mais auquel on a superposé donc un signal dont les variations sont assez rapides et qui est du bruit blanc. Le problème qui sera posé, c'est comment retrouver la séquence binaire contenue dans le signal émis, c'est-à-dire le signal émis, celui qui est en rouge, dans cette séquence-là. La modélisation des canaux de transmission. Donc, le premier cas, c'est ce qu'on appelle le canal AWGN. En anglais, c'est Additive White Gaussian Noise. Donc, c'est le bruit blanc gaussien additif. Il correspond à un canal discret. Le bruit est modélisé de son cas par un processus aléatoire gaussien. C'est pour ça qu'on parle de gaussien ici. De moyenne nulle et de variance sigma au carré. Et donc, sa probabilité, elle sera exprimée par P de X, 1 sur 2 pi racine de sigma, l'exponentielle donc de moins X carré sur 2 sigma au carré. Le signal numérique émis est sous cette forme-là. Il passe à travers un filtre linéaire qui modélise bien sûr le canal discret. Et puis, on lui ajoute une perturbation qui est le bruit et on obtient donc un signal numérique. Dans la réalité, si on regarde les variations rapides du signal, parce que ici le signal est superposé au bruit, donc on va avoir une moyenne. Donc c'est la valeur autour de laquelle le signal oscille. Comment on fait pour obtenir ce qu'on appelle la densité de probabilité? Donc, on va compter le nombre de fois où le signal passe par cet intervalle-là. Et donc, on va avoir le nombre de cas ici, où cette valeur est dépassée. On fait la même chose pour ce niveau. On va voir le nombre de fois où le signal dépasse cette valeur-là. Et vous voyez que au fur et à mesure qu'on se centralise, qu'on va vers le centre, plus le nombre de fois où le signal traverse le niveau donné augmente. Et bien sûr, le maximum, c'est lorsqu'on est à la valeur moyenne. La même chose pour les niveaux en bas. Donc, on recense le nombre de fois où le signal donc, coupe une des horizontales tracées ici. Et ça nous donne cette valeur-là. Donc, vous voyez la courbe ici, elle a une forme de cloche, c'est pour ça qu'on l'appelle donc un bruit gaussien, un bruit blanc et gaussien. Et donc, vous voyez comment on obtient la densité de probabilité. Donc, pour chaque niveau, on compte le nombre de fois où ce niveau est dépassé. Si on prend une chaîne de transmission en bande de base, donc une séquence binaire est émise, le codon ligne et le filtre d'émission. Le canal de propagation tel qu'on l'a modélisé tout à l'heure. Et puis à la réception, on a un filtre de réception. On a un système qui permet de récupérer l'horloge. C'est ce qu'on a vu, les flèches en vert tout à l'heure. Et puis on a un système de décision qui, lui, il va décider si la tension est positive, on a un plus A. Si la tension est négative, on a un moins A. La conception des filtres doit être effectuée avec les critères suivants. Le filtrage d'émission du signal numérique permet la diminution de la largeur de bande du signal émis. Donc la largeur de bande, c'est la largeur de bande des fréquences. Au niveau de la réception, ce filtrage de réception en sortie du canal, il permet la réduction de la puissance de bruit. Ça permet de réduire la puissance de bruit. Pourquoi? On diminue la bande passante. Si on diminue la bande passante, on va diminuer la puissance du bruit. Et donc, si on diminue la puissance du bruit, on va diminuer aussi l'erreur binaire. Le filtrage global, donc ça veut dire la somme de ces deux filtrages, doit assurer une condition d'IES nulle et donc, IES, c'est l'interférence
entre les symboles. IES, interférence entre les symboles. Elle doit être donc nulle et il doit minimiser la puissance de bruit. Ces deux filtres, si on les regroupe, on les appelle des filtres en racine du cosinus RV. Ça veut dire, dans le domaine des fréquences, si on regarde, c'est la racine de HN de F. Les deux filtres sont identiques. Et le global, ça veut dire que le gain d'émission en fréquence, le gain de réception en fréquence, c'est égal à la racine du cosinus surélevé, ça veut dire racine de la fonction de transfert HN de F. Le filtre en cosinus surélevé, il est défini par H de F avec cette équation, Ts sur 2, Ts c'est la durée du symbole, 1 moins sinus pi sur 2 alpha, entre parenthèses, donc c'est 2 fois le module de FTS moins 1. Dans le cas où la fréquence est entre 1 moins alpha sur DTS et 1 plus alpha de TS. Il est égal à TS lorsque la fréquence est inférieure à 1 sur 1 moins alpha sur 2TS et 0. Et elle est nulle ailleurs. On va voir quelle est la forme. Donc vous voyez la forme ici. On a obtenu la courbe qui donne ce H de F, elle est ici, pour différentes valeurs de, bien sûr, alpha. Alpha ici, on a plusieurs valeurs, ce qu'on appelle alpha, le facteur de rentabilité, facteur de retombée ou bien du roll-off. Ça veut dire l'arrondi, comment il est obtenu. Donc dans le cas où alpha est égal à 0, donc si vous mettez ici alpha est égal à 0, on va avoir tout simplement un signal rectangulaire. Si alpha est égal à 0,5, vous voyez que les bornes ici ne sont plus carrées, donc elle est un peu arrondie. Et puis ici, alpha est égal à 1, donc on a une forme exactement de type gaussien, donc en chapeau. Alpha, donc ici, c'est les valeurs qui sont ici pour alpha. Lorsque alpha est égal à 0, donc on a un 1. Lorsque alpha est égal à 0,5, on a à peu près 3 et ainsi de suite. Donc les valeurs qui sont données. Bien sûr, ici, la valeur, le schéma est obtenu pour T1, c'est égal à 0,1 milliseconde. Et la fréquence, elle est égale donc à 10 kHz. Donc 1 moins alpha, c'est ici, à ce point-là, ou bien ici. Et 1 plus alpha, c'est en ce point-là. Donc c'est la courbe de transition. La largeur spectrale, elle est égale à 1 sur alpha sur 2TS. C'est le double, 1 sur alpha sur 2TS. Le détecteur, c'est lui qui permet de décider si c'est un 1 ou c'est un 0. Et donc, généralement, c'est un échantillonneur. Aux fréquences T est égal à TB, ça veut dire que c'est la fréquence de l'horloge qu'on a récupérée à partir du signal. À l'entrée, on va avoir Y de T, c'est SI de T plus N de T, qui va venir ici. Et puis, on va passer par un comparateur de seuil. Donc, si le signal Y de T est positif, c'est un 0, par exemple. Ou bien, si le signal est négatif, alors on obtient en sortie le symbole S. Bien sûr, ici, vous voyez que l'échantillonneur, ou bien le détecteur, il est soumis à un échantillonnage aux instants T égale à NTB. Donc, le détecteur doit être muni d'une horloge de période T, d'un échantillonneur, et doit prendre la décision sur un signal bruté. Déterminer quel est le signal reçu en utilisant la sonométrie de l'échantillonneur. Le bruit est un signal aléatoire qui implique que Y de T est un T aléatoire. Quel est le taux d'erreur pour un rapport signal sur bruit donné? Donc les hypothèses, le bruit est de type additif, blanc, gaussien, WGN. Sa transformée de Fourier ne peut pas exister. Mais son spectre de puissance existe.
Le bruit blanc a une fonction d'autocorrélation donc définie par Rn de t, c'est 1,0 sur 2, delta de taux. Le bruit blanc, donc, dans le domaine des fréquences, il est représenté seulement par une impulsion dont l'amplitude elle est égale à 1,0 sur 2. Sa valeur moyenne est nulle. Sa valeur quadratique montée sigma au carré s'appelle la variance. Et bien sûr, sa puissance moyenne elle est égale à 1,0 cd, qui est bien sûr la puissance de l'impulsion delta de taux. Sa transformée de Fourier, c'est Sn de Def, ça veut dire que c'est la puissance moyenne. C'est l'espérance mathématique de n de t, donc transposée, fois n de t, elle est égale à 1,0 sur 2. Si je prends cette transformée de Fourier de cette fonction d'autocorrélation, ça va nous donner donc transformée de ceci. Ceci est une impulsion, donc elle a la valeur 1, sa transformée de Fourier est égale à 1. Et donc il nous reste cette constante qui est 1,0 sur 2 et qui est bien sûr la puissance moyenne phi. Donc pour un processus n de t aléatoire gaussien de valeur nulle de variance sigma, qui est égal à l'espérance mathématique de n de t, n étoile t de t, c'est le conjugué, nous donne donc sigma au carré delta de taux, et bien sûr, sa puissance, elle est égale à sigma au carré. Estimer du spectre de puissance de bruit en MATLAB. Donc je prends un n aléatoire, un nombre fini d'échantillons. Je crée un signal qui est du bruit. Donc j'utilise la fonction random. Et puis, je dessine ce bruit. Donc c'est un noise. Et j'obtiens ceci. Donc ça, c'est le spectre de puissance du signal donné. En fonction de densité de probabilité de bruit, j'ai les deux niveaux plus A moins A. Donc, la densité de probabilité du bruit P1 et P0 sont centrées respectivement autour des valeurs plus A et moins A. Pourquoi? Parce que le signal, il a soit la valeur plus A, soit la valeur moins A, auquel on nous ajoute du bruit, et ce bruit va osciller autour soit de moins A si c'est un 0, soit de plus A si c'est un A. Donc, je vais obtenir une courbe sous cette forme-là. C'est celle qu'on a obtenue tout à l'heure en comptant le nombre d'amplitudes qui dépasse un certain seuil. Donc, je vais avoir la première, c'est le P0. Donc, la probabilité d'avoir un 0. Et ici, la probabilité d'avoir un moins 1. Et donc, ça fluctue autour des valeurs plus A et moins A de la même manière. Ici, dans cette partie où les deux courbes se chevauchent, on a la zone de ce qu'on appelle l'erreur. Donc ici, dans cette partie en rouge, c'est la probabilité que je reçois un 0 lorsqu'un A a été transmis. Parce que le rouge, c'est lorsque le symbole 1 a été transmis. Et donc ici, dans cette partie-là, si un 1 a été transmis, si j'obtiens des tensions dans cette zone-là assurée jusqu'à 0, ça veut dire que la tension est négative et donc la détection va nous donner un 0. La même chose de l'autre côté, si un 0 a été transmis, à l'arrivée le signal va appartenir à cette zone ici au-delà de 0. Alors, la décision qui sera prise, ce sera donc un 1 qui a été reçu lorsqu'un 0 a été transmis. Le détecteur de seuil. Le détecteur de seuil, c'est lui qui décide que le signal transmis est soit un S0 ou un S1 en observant la sortie du corrélateur Y de T. Et le détecteur de seuil, il dérive soit plus S de T, soit moins S de T. Donc plus S de T si le signal est positif, moins S de T si le signal est négatif. Y de T peut être soit Y1 ou Y-1. Donc Y de T soit c'est Y plus 1 a été transmis ou moins 1 a été transmis.
S'il est positif, on va en sortie avoir S de T. Si Y de T est négatif, on va avoir S de T. Donc, quelle que soit la valeur du signal qui a été transmis au début. Une erreur se produit quand? Si le signal AS de T a été transmis et que le détecteur, parce que ça veut dire que si Y de T a été transmis, et on obtient un moins S de T. Donc là, il va y avoir une erreur. Le deuxième cas, c'est lorsque je transmets ce signal-là, donc un signal Y de T a été transmis qui est négatif, donc moi c'est moins S de T, et le détecteur, il va nous donner donc un S0 qui est un plus S de T. Donc c'est les deux cas où je vais avoir une erreur, et ça correspond à la zone donc, qu'on a montré tout à l'heure dans les densités spectrales de puissance, donc ici. Donc ça correspond à cette zone-là. Les probabilités d'erreur, soit P0 et P01, c'est les courbes en bleu et en blanc, probabilité a priori d'émettre un 0 ou un état 1. La probabilité d'erreur totale s'écrit, c'est la somme des probabilités lorsqu'un 1 a été transmis, on obtient un 0, plus la probabilité lorsqu'un 0 a été transmis, on obtient un 1. Un signal plus S de T a été transmis, le détecteur délivre donc moins S de T. Donc, la probabilité d'erreur de récupérer un état 1 quand un état 0 a été émis, c'est cette probabilité. La probabilité ici qu'un 0 a été transmis, alors que de récupérer plutôt un 1 lorsque l'état 0 a été transmis. La probabilité d'avoir la première cas, ici le premier cas, c'est on a la probabilité d'avoir transmis un P0, donc qui correspond à un 0, multiplié par la probabilité que le signal reçu est positif. Donc, c'est toujours égal à la probabilité que 0 a transmis fois l'intégrale de P0 Y de T dy. Donc, c'est la partie assurée qu'on a vue dans les deux courbes en rouge et en bleu. Puisque c'est des courbes qui sont gaussiennes, elles sont définies. Donc, le P0 de Y, il est défini par cette exponentielle. C'est l'intégrale de 1 sur 2 pi sigma au carré sous la racine, exponentielle de Y moins delta sur, moins delta au carré, bien sûr, sur 2 sigma au carré que multiplie dy. La même chose, si un moins de t a été transmis, vous voyez ici un signal moins de t a été transmis et on récupère à la sortie du détecteur un plus s de t. P de 1, 0, c'est la probabilité qu'on récupère un 0 lorsqu'un 1 a été transmis. C'est la probabilité qu'un état 0 a été transmis avec une probabilité négative. Normalement, on devrait avoir une probabilité que Y est positif. Donc, la même chose, on a probabilité que un 0 a été récupéré lorsqu'un 1 a été transmis. C'est P de 1, bien sûr, c'est sa probabilité d'exister, multipliée par la probabilité que ce signal soit négatif, donc que Y soit négatif. La même chose qu'ici, c'est P de 1, l'intégrale de moins l'infini à 0, de l'autre côté. P de 1 et de Y, la même chose, c'est la même courbe pour les deux, donc on obtient la même équation. On fait une hypothèse que la probabilité P0 d'émettre un état 0 est égale à la probabilité d'émettre un état 1, donc ils sont équiprobables, ils ont la même probabilité et c'est égal à 1,5. Lorsque je fais le calcul sur cette probabilité, donc je vais avoir 1,5, donc P0 c'est 1,5, l'intégrale de cette exponentielle qui est reprise ici, elle est égale donc à 1,5, l'intégrale de delta sur sigma jusqu'à pi, jusqu'à plus l'infini, et
Ici, on va voir l'intégrale de 1 sur 2 pi, l'intégrale de 1 sur 2 pi exponentielle moins y2 sur 2, puisque la probabilité est égale à 1 demi. Et donc, ça nous donne 1 demi la fonction qu'on appelle qa sur sigma. Sachant que la fonction q dx, c'est cette intégrale ici, et la fonction q de x, c'est ce qu'on appelle la fonction erreur. En anglais, c'est error function. Elle est égale à 1 sur demi lorsque je mets 1 sur cx. 1 demi error function fc sur x sur racine de pi. La probabilité que un 1 ait été reçu lorsqu'un 0 a été transmis, elle est égale à la probabilité de 1 demi, quand je replace, de A sur sigma, donc le X, est égal à 1 quart, R fonction, donc ici, parce que ce demi, avec ce demi, nous donne le 1 quart, et la fonction ici, le X, c'est quoi? C'est A sur sigma, ça nous donne A sur sigma, racine de 2. De la même manière, on obtient la probabilité qu'un 0 a été reçu lorsqu'un 1 a été transmis. Donc, ça nous donne cette fonction. De la même manière, c'est comme ici. La probabilité P de 1, je l'écris sous cette forme-là. Je peux l'écrire sous cette forme-là donc en faisant les mêmes modifications que tout à l'heure. En introduisant la fonction f de c, donc on va avoir 1 demi moins 1 demi sur racine de a, c'est sigma 2. Pourquoi? Parce que la fonction fc, elle est, donc ici c'est complémentaire, c'est 1 moins f de c. Et je remplace le f de c par sa valeur. Finalement, on obtient la probabilité d'erreur, c'est la probabilité qu'un 1 est reçu lorsqu'un 0 est transmis, plus la probabilité qu'un 0 est reçu lorsqu'un 1 est transmis. Elle est égale à 1 quart de fc a sur le sigma plus 1 demi, cette partie-là. 1 moins 1 demi fc moins sigma. En utilisant la fonction q de moins 2x est égale à 1 moins q de x, donc je vais obtenir, elle est égale à 1 fc plus, ici j'utilise cette fonction-là, fc, je vais avoir 1 moins 1, donc ça nous met directement 1 demi f de c, f de c de a sur sigma racine de 2. En introduisant la fonction f de c, on peut l'exprimer sous la forme de 1 demi moins 1 demi, la fonction f a sur racine de 2. Donc sigma sur racine de 2, donc a sur sigma racine de 2, égale à a sur racine de 2, 2 sur 1, 0. Donc ici, dans cette partie-là, c'est la puissance du signal sur la puissance du bruit. Je vais introduire en fonction de 1, 0 le bruit. Et donc, ce sera a sur racine de 2, racine de 2 sur 1, 0. Le a, c'est quoi? Le a, c'est la puissance du signal. Donc, c'est l'élément binaire. Donc, on va la noter avec racine de EB, c'est la puissance du signal binaire sur racine de 2. Et donc ça nous donne, quand je fais le calcul ici, j'ai 2 et racine de 2, qu'est-ce qui va se passer? Donc je peux réduire la fonction sous forme de racine de EB sur 1, 0. Donc on peut l'exprimer sous cette forme-là. A sur sigma représente le rapport signal sur bruit, ou bien ce qu'on appelle le niveau du bruit au niveau du bit. Hein. Donc, ici, le EB sur 1, 0, il est très important parce que c'est le signal. On exprime la probabilité en fonction du rapport EB sur 1, 0, qui est la puissance du signal bit sur le bruit dans cet intervalle, donc 1, 0. La courbe qu'on obtient est sous cette forme-là. Exemple, un rapport 1 sur n de 20 dB, donc 20 dB c'est ici, il génère une probabilité de 3 10 moins 3. Donc ici on est 20 dB,
Donc on est autour de 3, 10 moins 3. Autrement dit, sur 1000 bits reçus, 3 éléments binaires sont faits. Donc ça, c'est la signification de la probabilité. Exemple de calcul du TEV, dans le cas bien sûr du canal AWGN. La relation signal survie au temps d'une heure binaire est valide pour un grand nombre de modulations numériques. Exemple, lorsqu'on transmet en téléphonie mobile une voix de téléphonie, on va avoir une courbe qui est sur cette forme-là. Lorsque la modulation est de type QPSK, le débit étant de 12 kilobits, la bande elle est de 200 kHz, un taux d'erreur inférieur à 0,1% qui est égal à 10-3, donc 10-3 ici, on va obtenir, donc vous voyez, ici, on obtient donc un rapport EB0 qui doit être supérieur à 7 dB, donc il nous permet d'évaluer la qualité de la transmission en transmettant un signal avec un rapport EB0 assez puissant, donc qui doit être supérieur à 1,0. Donc si j'ai un EB0 supérieur à 7 dB, le taux d'erreur donc, est inférieur à 10-3, donc il peut être 10-4, 10-5, ce qui est donc une qualité acceptable pour la transmission dans le cas de type modulation. Et merci pour...